Et yo bande de gens sédentés, et après cette musique et ces actions complètement métal, je vous retrouve sur l'épisode 5 de Devil May Cry 3. Putain, ça fait un bail que j'ai pas enregistré sur Devil May Cry. Autant vous dire que l'épisode 5, non l'épisode 4, je l'ai enregistré pendant les vacances de Pâques. Et là, on est le 28 juillet, donc j'ai un petit peu chômé en vous servant Devil May Cry 1 et 2, j'avoue. J'avoue, j'ai un peu abusé, là. J'ai un petit peu abusé. action, le drive. Ça peut être utile, mais je vais voir ce que je peux m'acheter avant. Objet. Je n'aurais pas besoin de vie. Oui, la barre de démonisme vient d'apparaître. La barre de démonisme, bah, c'est exactement pareil qu'avant. Dans le 2, c'était. Enfin, là, c'est des boules. C'est plus des. Comment dire, des. Des réceptacles en fait d'énergie démoniaque, comme dans le 1, à l'instar du 2, je n'ai aucune idée de ce que je viens de dire. Comment s'embrouiller plus que ça? Enfin bref, en gros, là c'est des boules un peu dans le même genre que dans Devil May Cry 1, et c'est pas comme dans Devil May Cry 2 où on avait une barre de démonisme avec trois petits traits qui nous disaient à partir de là tu peux te transformer. Non, là c'est quand les trois boules sont bien remplies, qu'elles brillent bien, qu'on peut se transformer. Et d'ailleurs, je vais en acheter une autre. Hop! Voilà, ça fait un petit truc comme ça. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils rajoutent pas simplement des boules d'énergie bizarre. Mais bon, tant pis, on va faire avec. Je vais m'acheter le drive, il me reste encore assez. Je vérifie que le. Ouais, le micro capte bien ma voix. On sait jamais, hein. C'est le micro de mon téléphone. Je le rappelle, mon micro à moi est cassé. J'ai oublié d'acheter des améliorations pour Annie et Rudra. Fuck. En plus, c'est important ça. C'est important. Bordel. Je ne peux pas revendre mes trucs. Bon, bah tant pis. On va s'équiper. J'ai tout ce qu'il me faut, Artemis. Est-ce que je vous ai déjà montré Artemis? Je ne vous ai pas encore montré Artemis, donc je vais le faire. Ça me fait chier parce que je l'utilise strictement jamais. Mais bon, c'est pour vous montrer. Donc voilà. Et voilà. Nous voyons à l'intérieur du corps du Léviathan. Le Léviathan, je le rappelle, est l'un des 7 démons de l'enfer. Qu'est-ce que c'est un démon de l'enfer ? Oui, désolé, je connais le jeu par cœur, je vous explique même pas. Il faut péter ça, des sortes de petits organes, pour ouvrir là. Pour ouvrir ça, là, qui est le truc protégé par des crocs. On dirait un vagin. Je ne déconne même pas. Voilà. Donc voilà, je disais, je le rappelle, Léviathan est l'un des 7 démons de l'enfer, et les 7 démons de l'enfer représentent les 7 péchés capitaux, Léviathan étant le démon de l'envie. Après, il y a Lucifer, le démon de je ne sais plus quoi, Satan, le démon de la colère, Mammon, le démon de je ne sais plus quoi, la luxure, je pense. Je les connais pas toutes par cœur, je les ai en screen dans mon téléphone en plus. Mission secrète 4, le grand ménage. Prenez l'ascenseur jusqu'au sommet pour obtenir un fragment de sphère bleue. Ça me permettra de vous montrer le démon. Alors, il y a un démon pour chaque arme. Là, je vais prendre Rebellion, ça va faire le démon que vous avez vu quand je... Non, j'ai cru que la lumière, c'était une sphère bleue. Allez, approchez! Oh putain! J'avais oublié qu'ils étaient déjà transformés. Alors vous le voyez là, le démon dure vraiment pas longtemps. Bon, c'était juste dans le but de vous montrer. Oh putain, Artemis! Artemis! Attaque! Ça m'a servi à rien. Oh putain, oh, je vais crever je pense. Aïe aïe aïe. Ah là 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 là. Je vais me faire massacrer. On dirait le mode fils de Sparda dans Devil May Cry 4. Ah oui, j'ai une information à vous faire passer. J'ai une information à vous faire passer.
j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que le let's play sur Devil May Cry 4, parce qu'il est, il va de soi que je ferai Devil May Cry 4 juste après Devil May Cry 3, il sera sur l'édition spéciale de Devil May Cry. Donc je pourrais vous faire, je pourrais vous montrer les cinématiques qu'il y a avec Lady, Trish, Virgil, et c'est tout. Et je pourrais vous montrer tout le contenu, enfin voilà, c'est bien mieux. Et je l'aurai sur PC, ce qui m'arrange beaucoup plus pour tourner. Donc voilà, on va retourner en fait, on va repartir. C'est fait exprès en fait, que le défi soit mis là, parce que comme ça on peut repartir avec ça. J'ai supposé que, mais en fait non. Fuck, comment on fait pour repartir? Je crois que je dois mourir en fait. Ouais, je crois que je dois mourir. Bon bah tant pis. Désolé, perte de temps monumentale, je suis déjà à 8 minutes. Je vais essayer de faire des épisodes de 20 minutes maintenant, parce que... rien à voir avec le fait que ce soit chiant, enfin si, c'est parce que c'est chiant. C'est chiant pas de tourner, mais de faire le rendu. Parce que le rendu d'un épisode de 40 minutes, ça me prend environ 2h30 minimum. Alors ça, faut pas le toucher, hein, parce que sinon ça va me cramer. Non, je ne vous montrerai pas. Ah oui, aussi un petit détail, regardez Rébellion. Voilà. Elle est vachement différente par rapport à avant. Elle est différente parce que elle s'est ouverte, en fait. Son pouvoir a été libéré. La, la mâchoire du crâne sur l'épée s'est ouverte. La garde s'est déployée, bref, voilà, l'épée est au maximum de sa puissance maintenant. C'est pour ça que je dis que c'est l'épée de Dante, c'est vraiment celle-là, c'est l'épée de Dante. C'est pas une de ses épées, c'est son épée. Bon, j'ai pas amassé des masses, mais c'est déjà ça. C'est bon, le vagin est ouvert. C'est dégueulasse de dire ça, désolé Falcon. Pouf, le bruit. Baudel. Encore. Oui. Ça ne servira à rien, parce que de toute façon c'est bloqué. Putain, j'ai du mal. Allez, on rentre. Je connais hein, maintenant. Alors, estimez-vous heureux que... Oui, je confirme, c'est dégueulasse. Estimez-vous heureux que là, je vois, parce que tout à l'heure, on ne verra plus. Ce sera noir. Ah, les améliorations. Avec la musique pour dépressif. Franchement, vous écoutez ça quand vous êtes dépressif, c'est... Vous chialez, en fait. Air Hike, je peux pas le prendre, bah, je vais économiser pour m'acheter le Air Hike. Ah, c'est trois organes. Celui-ci aspire le sang de démon, celui-ci aspire l'énergie démoniaque, et celui-ci, c'est son cœur. Oui, pardon, j'ai oublié. Oui, je suis tellement habitué à faire le niveau que je ne check plus en fait, que je ne montre plus rien. Je suis vraiment désolé. Ah, hop là. Ah oui, attendez, je dois vous montrer à tous les démons. Hop, celui-là c'est celui de Rébellion et celui d'Annie Erudra. Il fait un petit peu gay celui d'Annie Erudra. C'est pour ça que je prends tout le temps celui de Rébellion, vu que de toute façon Rébellion c'est mon arme favorite. Aïe aïe aïe. Ah, j'avais presque oublié. Attendez. Hop là. J'avais oublié les styles en fait. Je suis trop habitué à Nero, qui lui n'a pas de style. Merde, j'ai dit un nom. Je suis pas censé dire de nom.
Bon, c'est pas grave, oubliez ce que je viens de dire, ce personnage que je viens de citer n'existe pas. Bonjour, démon de l'envie! Les démons de l'envie sont les démons les plus nuls, hein. Si je me fais toucher, c'est vraiment que je suis déconcentré. Allez, donne-moi mon fraïk. Sphère blanche, ça nous donne de l'énergie démoniaque. Merde, je voulais faire un truc. Hop là! T'es pas encore mort? Non mais, il te faut quoi toi? Ça y est, vous me croyez maintenant qu'ils sont nuls? Alors, dans cet intestin-là, il me semble qu'il y a des trucs à faire. Wait. Non? Non, c'est pas par là. C'est pas dans celui-là. Alors ça aspire les boules démoniaques. Le sang de démon, en fait. Au fur et à mesure que je lui apporterai du sang de démon, il va s'ouvrir. Pas touché, pas touché. Ouh, j'aurais dû faire un million de stab. Comme ça. Comme ça! Ouais! Ça me donne plein de style. Et on achève avec... Yeah! Oh putain, comment je suis chaud. Wouah! J'ai jamais fait d'aussi belles actions. Ignis Fatuus, âme des damnés ayant succombé à la jalousie. Le Léviathan survit en le dévorant. Ayant succombé à la jalousie. Qui est le démon de la jalousie? Bonne question. Merde, ça va juste me redonner des vies. Comment j'ai perdu des vies d'ailleurs? J'ai été touché? Merde! Je me fais chier! Putain, cet intestin est beaucoup trop long. Fuck! J'ai oublié! J'ai oublié que c'était cette arme qu'il fallait prendre, c'est Cerberus! C'est pour Cerberus, ça! Putain, j'aurais dû m'en souvenir! À nous deux, Billy. C'était tellement simple. Merci. Mais il m'a fait peur ce con, je croyais qu'il était mort. Putain, je me suis chié dessus. Ah oui, c'est vrai, le démon de Cerberus. Hop, il est pas mal.
Ah, ça a l'air d'être pas mal efficace sur lui. Comme dans Pokémon, c'est super efficace. Aïe. Boum. Aïe. Oh putain, salopio. Pef. Aïe, salopio. Pef. Et ça crève. En plus, plus en silence, s'il te plaît, et donne-moi ça. Hop, merci. J'aurais besoin de vie avant d'affronter le Léviathan. Ah, c'est déjà pété tout partout. Ah, presque. Fuck. Je vais récupérer des vies avec eux en fait. S'ils m'en donnent. Aïe aïe aïe. Ah le con. Ah il m'a eu. Ah revers. Aïe aïe aïe. Ah. Ouli. Ouais, des vies, cool. Il y est. Hop, hop, hop. Pef. Allez, on arrête. Toi là, tu m'en donnes, t'es gentil? Hein, t'es gentil? Dis-moi que t'es gentil. Allez, est-ce que tu me donnes des vies? Non, t'es pas gentil. Pardon, je pète un câble aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Ah putain. Ah, je crame, je crame, je crame. Ah blablabla. Oui. Je me demandais si j'achetais le truc finalement, le double saut, et oui, oui, je l'achète, j'en ai besoin. Surtout pour ça. Parce que j'ai une technique pour le battre en fait. En tout cas pour le battre plus rapidement, et sans prendre de risques. Sans prendre trop de risques. En fait, c'est presque un loose bug. Voilà, regardez. Hop. Je monte là. Il considère que je suis retourné sur le sol. Et voilà. Je peux le faire autant que je veux. Alors là, ce qui va me gêner, c'est les gars derrière. Ah voilà, qui me pètent la gueule une fois que je suis redevenu normal. Voilà. Ah oui, forcément. Il y a l'autre qui aspire les sphères. Oh putain. Hop. 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 Corde à sauter. Et reviens ici, connard. Hop. Hop. Merde, c'est pas ici. Comment ça, je cheat? Je vois pas ce que vous voulez dire. Allez, allez, on peut le faire. On peut le faire, je peux le faire. Non, je rigole. Je fais la braque. La caméra s'est perdue dans les intestins. Voilà, oh ça c'est excellent, j'en profite pour les tuer à la fin. Oh putain, il y en a deux. Et l'autre qui a essayé de jouer derrière. Ah, vous avez crevé. La prochaine sera la dernière. Les premiers seront le dernier. Parfait.
Aïe aïe aïe. Ah bah pas besoin de le buter en fait. Hup. 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 Allez, cette fois-ci c'est la bonne, cette fois-ci c'est la bonne. People once cried out in fear of this tower. Timon it grew. A foundation that brought out fear. Fear. Yes. Fear. Can't you feel it? The rage and agonies of the people. Those who were confined here, with their desires for evil being unfulfilled. It was all because Sparta slammed the door to the demon world in their faces. What's wrong? Nothing. Et ben voilà! Voilà! Nous avons vaincu le Léviathan! Putain, j'ai reçu un dé juste parce que j'ai été chercher cette merde! Bon, j'ai quand même eu un. Faites pas chier. Parce que. Voilà. C'est mon excuse à tout. Donc, moi qui finalement voulais faire un épisode de 20 minutes, je me tape un épisode d'une demi-heure, tant pis. Alors, point de style, j'ai eu un A. C'est acceptable. Pardon. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cet épisode 5 que je tourne plusieurs mois après l'épisode 4. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et attention à la musique.